T'as appuyé sur Rec ici aussi? Non. Appuie sur Rec là. Wesh la mif, on se retrouve pour le Wii Trip épisode 5. On est parti à 6 à Amsterdam. Je vous laisse venir avec nous, c'est parti. Wesh mes bad boys, c'est Rose. Vous m'avez sûrement déjà vu sur le canal de votre plug préféré ou en train de fourgue des 10 euros à la gare, mais ce n'est pas le sujet. Vous faites les gros fumeurs, mais qui tentera de relever le défi du poumon rose? C'est très simple, frérot. Chaque fois que quelqu'un de la vidéo dit « frère, frérot, mon ref » ou toute autre expression lyonnaise pour catégoriser un ami, un petit juin s'affichera à l'écran. Il faudra que tu tires une taffe sur ton juin, ta dina, ton bang, peu importe. Avec ce test, on verra les vrais fumeurs. Bon film et oubliez pas, ça va péter. Eh, bateau à pète, oui, trip. Idemo do Amsterdama, sad će to biti slobodno na YouTube-u, idite vidjeti na imo.cr. Ouais la mif, grr. On est en direct de la PS, avec les frères. Holy shit man. C'est le Wii Trip, Wii Trip épisode 5. Putain, ça démarre fort. Ouais, ça démarre, on est 200 000. On est 200 000, Wii Trip épisode 5, on va rejoindre les frères de Belgique, Amsterdam. On se met bien. Bosco, Dex Ocho. On voit même pas son visage, il est trop sombre. Ouais, c'est moi. T'es mal à perdre, c'est des Nike. T'es mal à perdre, c'est Nike. La vie de ma mère, c'est Nike. Et toi, c'est quoi? C'est Nike. Moi, et moi, c'est Nike. C'est full Nike. Ah, presque full Nike. Bon, en tout cas, les refs, ça va être fort, fort, fort. Wii Trip 5, Vénitieux, c'est parti. Bon, en vrai, de base, on devait aller à Francfort. Rien à voir. On devait aller voir un rappeur à Francfort. Au dernier moment, il nous a dit... Vas-y, vous pouvez mettre la blague. Ouais, du coup, c'est chaud. Il fait tête, bref. Ça fait qu'à la fin, au dernier moment, on s'est dit on va où? On s'est dit on va à Amsterdam. On a loué la voiture au dernier moment, c'était une galère. Les Wii Trip, c'est un glow up, hein. Ah, ouf. Ah, ouais. Les Wii Trip, quand c'est géré par Kulmen, c'est un glow up. On a des petites bouteilles d'eau. On est équipé pour la fumette, éviter la pâteuse. Il y a le big boss derrière. Oh, on est 7. Non, ça va être n'importe quoi, les frères. Restez connectés, ça va être très très lourd, très très sale. Là, je vise. Combien de vues on vise, les frères? Moins 20k. Bien là, allez frérot, Amsterdam, la destination de Rap for the 420. Enfin bref, les frères, on vous reprend plus tard. Là, on est sur la route, on a 8h30 de route. Je mange, Zébi. Et le frère, il mange. Et ça va écouter le projet, hein, 87 avenue Paul Sentier, on va se l'écouter ensemble pendant la route. Toi, t'étais assis où, toi? Au début, j'étais place derrière, mais milieu droite. Pas derrière. J'ai un poste de joueur. Voilà. Frère, j'étais latéral. Les amis. On va se faire une petite Ginavap là. On est encore. On est à Bron, ville de talent. Grandi à Bron devient une légende. Grandi à Bron devient fourgueur de Saint-Laurent. Tu sais. On est à 20 000. 821 streams sur Spotify, ouais, ouais, ouais! Sinon rien, je raconte pas ma vie s'il y a pas de prod, c'est combien? Y'a des codes dans la rue, gros, y'a pas de prof. J'ai raison, je sais, vu que t'as pas de preuve. Calme un peu, les soirées, tout ça, t'es qu'une épave. On passe dans la chambre. Ah, tu veux goûter? Les enfants, on tire deux. Mais la cendre déjà. Et frérot, on est dans une voiture anglaise, c'est moi qui conduis, hein, on vous rappelle, hein, pas fumé au volant, c'est pas lui qui est en train de conduire. Exactement. C'est une voiture anglaise, le volant il est à droite. Déjà, moi, j'ai même pas le permis en plus. Voilà, il est pas en train de conduire, pas de fumée au volant, les frérots, hein, jamais. Ça, c'est une voiture anglaise, c'est moi je suis en train de conduire. Ça, frérot, c'est chaud. Ah, c'est super bon, t'as net rien à voir avec la première. T'as mis du tabac là? Non. Oh, c'est trop bon. C'est bien. Oh, c'est un mur, pas de tabac. Ouais, je me dis, il n'y a pas une odeur de tabac. Oh, c'est trop bon. La mif, c'est excellent. Ouais, incroyable, les frérots. Elle est magnifique. Nous, on continue la route là. On est après Lyon. On est où là? On est à Mâcon. Donc voilà, il nous reste encore 7 heures de route facile. Donc voilà, on continue. On vous reprend plus tard. Pour l'instant, tout le monde se gaz, tout le monde s'éteint. On va faire des petites siestes. Sauf le conducteur, bien sûr. Sauf le conducteur. Sauf le conducteur. Ne jamais fumer au volant. Très important. Jamais. Toujours lâcher les mains du volant quand vous fumez. Comme ça. Magnifique. Mais Dex, il était sous nuit blanche. Comme t'as vu dans la vidéo, là, il est en train de s'éteindre, le frère. Ça veut dire, je crois, on a bien fait de changer de conducteur. Je vais pas t'apprendre la vie, c'est des anecdotes personnelles. Raison, garde-moi ton jus de raisin. Dans mes textes, pas de mensonges, et je vois qu'ils ont compris le message. Des faux prénoms et des faux blases, j'en ai en stock. Ok, ça va péter, hein, ça va péter. Ça dit, madame, c'est dame. Mon poteau, je suis en attaque.
l'histoire démarre. Une petite après-midi, à gauche t'as mis la clim, petit fêtard. Bouteille à sec, je repasse à la lime, elle comme va poil. Alors là, on est en direct de la Stas au Luxembourg. On vient d'arriver au Luxembourg, à la Stas. Cette Stas, je l'ai fait 2700 fois. C'est la Stas que j'ai le plus fait de ma vie. Bon, même les Stas de ma ville, je les ai pas autant faites que cette Stas. C'est la Stas la plus connue pour tous les frères qui vont à Dadam. Vas-y, hein, moi, je vais aller pas acheter de club parce que je fume plus de club. C'est le premier voyage à Amsterdam que je fais en free tabac, free tobacco. La vie de ma mère, les amis. Je vais me gazer que des purs. Tout ce que je récupère, ça fume des purs. Et dans le Herborizer et dans la Gina, bien sûr, vous me connaissez. Vas-y, on va aller acheter 2-3 trucs à manger, 2-3 boisses. On est au Luxembourg, on arrive dans 4 heures. Et on se reprend après, les bigs. Prenez soin de vous. Mais quand faut passer à l'acte, on ne voit plus, mon vieux. Chape, ça s'arrête tout pour pisser. Bande d'arrêt d'urgence. Frère, je vous mens pas, j'avais une sacrée envie de pisser. Était pour le bien de tout le monde, j'ai proposé qu'on s'arrête. Ça lui a proposé une bouteille, il était pas d'accord. Là en vrai, j'ai déjà bien commencé le weed trip, j'ai fumé. En vrai, les frères, sans vous mentir, j'ai fumé 3 joints. Combien de joints, Canette? 3 plus, non. 3 joints, pas plus. Non, parce qu'il y avait un royal. Les frères, ils abusent toujours. Plus. Ça fait un royal aussi. Mais t'as fumé plus de 4 joints. Mais c'est celui qui s'est plus gazé dans la voie gauche, je pense. Frère, j'ai hâte d'arriver à Meda et d'acheter de la chute. J'ai envie de goûter des saveurs inexplorées. Des saveurs inexploitables. Non, le boss, comment? Le boss qui s'est fait chab, il est sur la bonne arrêt d'urgence. Ça veut dire qu'il nous reste 2 heures de route. On attaque, on continue, c'est parti. On est de retour. On vient d'arriver à l'hôtel. En vrai, la scène de la douche, je filme pour Instagram l'appart et je dis regardez la douche, elle a plusieurs fonctions. Donc j'ouvre la douche, mais en vrai la douche, après j'arrivais plus à l'éteindre. Et en vrai je pars et tout, je fais mon truc, je vois 20 minutes après, j'entends Bosco dire oh, y'a qui se douche. On est avec les bigs. La vie de ma mère. Là il est en train de dire qu'il y avait un peu d'eau. Mais la tête de moi, il y avait une vraie douche. C'est le A, il est allé voir, il est allé vérifier. Ouais, il s'est dit moi, il fait pas d'eau. J'essaie de l'éteindre, j'arrive pas. Je vois, je me mange de l'eau froide, de l'eau chaude. Je commence à virer. Comment ça s'éteint, c'est la vie. Mais elle était trop bizarre à fermer la douche. C'était une douche d'Hollandais. Ouais. Je suis mort, il a dit comment ça. Il est en train de se mouiller là-bas. Alors, vous savez quoi? Je vais vous faire un petit tour des lieux. C'est un truc qu'on fait pas assez dans les weed trip. C'est vrai. Et à chaque fois, vous me demandez. Alors, on va vous faire un petit tour des lieux. Dex, tu fais quoi? Tu vas où? Je vais faire pareil. Moi, je vais montrer à mes jeunes followers. Ah, tes jeunes followers? Vas-y, bah bien. Bah, tu sais quoi? Filme-moi. Ouais. Et tu es en train de leur faire le rêve. Ouais, voilà. Vas-y. Alors, déjà, là, on arrive. Il y a la porte d'entrée, juste là. Donc, tu rentres, t'arrives sur. Un petit lit pas méchant. Là, on arrivait dans un appart de bâtard. Ouais. Un appart de malade aurait été maximum. Oh, ici, il y a les chiottes. Il y a quelqu'un? Ça chie comme il faut. Ici, il y a une douche. Petite douche bien pour... Parce qu'on est des mecs propres, tu connais. Oh, les gars. Là, un autre lit parce qu'il y a des frères qui dorment. Tu connais, on est nombreux. Après, on arrive là. Attention. Attendez, pas tout... Oh! Damn! Shit, man! Damn! La PS! Ça, on est max. Oh non, voilà, donc là, on a tout le salon et tout. C'est un grand salon, hein, sa mère. Il est plus grand que chez moi, Zebi. Et là, on a quoi? On a une suite. On a une chambre avec une salle de bain, des toilettes, tout ça. Donc voilà, on va se mettre bien. Je vais installer le herboriseur et je vais direct coucher des frères. Tu veux des biens? Ah le Rick, je l'ai mis là-dedans pour le voyage. Oh, un truc de ramèche, t'as jamais vu ça. Putain, pas là. Te fais pas mal frérot hein. T'arrives que pas. Oh my god. Ok. Only shit. Wow. Only shit. That's what I live man. It's my life man, it's for real. Oh. It's for real man. Oh my god. Oh. Non! C'est sale, non? T'es mort. Oh, le coup de pied retourné! Ouais, super sale, frérot! T'as pas aimé mon coup de pied retourné? Mais t'es pas vu! Vas-y, viens, on se casse! Et par terre, tu sais pas pourquoi, y'a un couteau et. Y'a la biche la masse! Il fait 50 cm! Y'a la big Un.
petit joint. Ils sont partis où tous les frères là? Ils sont partis en haut. Nous on était sortis faire quoi? On est partis dans les clubs. Ouais, on est partis boire un petit café, la route elle était longue. Mais là, là je découvre, ils sont en train de s'éteindre les bons yeux. Lâchez-moi un bon par les bons. Frère, j'ai envie de fumer, je te mens. Viens, t'inquiète, tu vas fumer, t'inquiète. Mais tu me dis viens par là, y'a pas de place. Bah frérot, chope, t'as un petit pouf là. Ah mais t'es obligé d'être. Ouais, mais y'a ton truc là dessus. Bah c'est un papot de salon, frérot. Ouais. Après, je pourrais, t'as vu, y'a quand même non, mais frérot, c'est quoi? J'ai pas envie de le mettre dans un endroit où les rats peuvent le faire tomber. Oh le Dex. Ça, il fait 400 boules, je te mens pas, t'as compris, j'ai pas forcément envie de le péter. Ça, il fait 400 boules, je te mens pas, t'as compris, j'ai pas forcément envie de le péter. C'est comment il m'a pété mon Herborizer? Alors vas-y, présente ta machine là. Présente ton merdier. C'est quoi? C'est un pistolet laser? C'est un Herborizer, frère. Chab, c'est un Dyson. Elle va se présenter toute seule, frérot, je vais pas la présenter. Elle va se présenter à toi toute seule, Chab. Vas-y. Déjà, il faut une petite prépa en mode petit câble. Petite prise. Petit câble, petite prise. Voilà, c'est un vaporisateur de salon, donc ça veut dire que c'est branché sur une prise. Un peu d'eau. Donc ça, et ça c'est son petit support style, ouais. C'est vendu avec? Non, moi je l'ai acheté. Petit support sur mesure. Frérot, avec ça tu dabs ta plante. Tu fais des dabs de fleurs, frérot. La vie de ma ça, mère. Ça par contre ça peut être sa mère. Si tu la mets bien chaud comme je vais faire, tu fais des dabs de fleurs, frérot. Vas-y, viens, goûte. Aïmo à la manip. Oh, goddamn. Goddamn, only shit. Allez frère, on va la laisser se chauffer un peu. Hein. Ça prend... C'est un pélo. Y a pas de batterie dedans, c'est que tu peux mettre que avec ton bloqueur style. Ouais, ouais. C'est que avec le bloqueur. Ouais. Genre t'as pas de prise, ça marche pas. T'as pas de prise, t'es baisé. Après il y a sûrement peut-être des adaptateurs, des trucs genre. Baba bang, l'équipe. Ah, moi je t'ai déjà dit que t'étais là. Jamais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Ça s'est détruit à l'herborizer. Ouais. Je te l'ai déjà dit. Tu sais même, t'as cool. Mais tu sais, on sait jamais ce qui se passe. Ouais, tu sais. Ah, Emo. Ouais. Un petit t-shirt Micron au cas où il y en a besoin. Mais non. Au cas où. Non. Ça, c'est la big promo, les pieds. C'est la big promo. Le fameux drop zéro. J'étais en live, là. Ouais. Ah. En direct de Meudax. Vraiment pas mal. Moi, c'était la première fois découverte. De ce machin. Franchement, ça m'a éteint. Tu le règles au degré près, frérot. Ah ouais? Bah ouais, frère. Enfin, après, là, tu connais les degrés, faut les connaître, tu vois. Okay. Ah, ça tape fort. Quand tu bats dessus, ça tape vraiment fort, le Herborizer. Ah, mais t'habites ici? On va bouger après dans le centre. Lui nous conseille des trucs où manger en vrai. Non frère, je suis allergique au gluten, je peux rien dire. Non, gluten man. Moi j'aimerais réagir au sans gluten. Certes, je casse les couilles pour manger sans gluten, mais quand j'achète des pommes... Ça y est. Je vais manger des pommes, ouais, je vais manger des pommes. Et que je dis les frères, si vous voulez des pommes, dites-moi, je vous en achète. Mais moi j'ai pas celle que j'achète parce que je peux manger que ça et que en une heure il y a plus de pommes. Et que surtout ils font les mecs solidaires mais que au premier repas. Je m'en bats les couilles, j'ai mangé du kebab. Mais sans battre les couilles. Kebab, ok. Kebab, voilà. Il est où l'autre maçon avec ça? Je suis juste au bout, on peut pas ouvrir la fenêtre. Ah, même moi. Les frères, en tissu, je vous prépare un weed trip de malade mental. Tiens, tire, cadet, tire. Vas-y. Ça se passe comment? En direct. En direct du direct. Oh, vous êtes en direct de la vidéo, les frères. Mettez des messages. Mettez des messages, je vous fais passer dans la vidéo. Tu vires. Faites du bruit, faites du bruit. Vous passez en direct de la vidéo, les frères. Brr, brr. Bah, Sky, mon frère, demain, tu seras là, toi. En direct! Est-ce qu'on est sorti hier soir? Ouais, on est sorti. Non, on a gamé le direct, frérot. Tu te rappelles pas manger? Non, frère, on a mangé. On est allé au Mexicain. Et après, on est allé au Green Place. De toute façon, tu vas découvrir ça tout de suite. Et frérot, on vient de bouger dans le centre. On est en plein centre. On s'est garé dans le parking, le Q-Park. Ceux qui savent, à Central Station.
On va partir manger, partir dans des coffees. Je vous laisse venir avec nous, ça va péter, vous savez pas bien. Ils ont oublié. Ça va péter. Non mais attendez, parce que le Mexicain, on en parle. On va dans un Mexicain, il nous dit, il y a le même à côté. Nous, on dit, vas-y, on y va. On va, on rentre dans le magasin, on demande la carte et tout. On voit, il nous chatte bizarre, tu te rappelles? Ouais, mais c'est la carte, elle ressemble pas à celle qu'on a vue. La carte, on s'est dit, mais c'est pas le même magasin. Ouais, frère, on n'est pas rentré dans le bon restaurant. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est que nous, c'est normal, nous, on est défoncé, mais toi, tu fais quoi? Frérot, moi, je vous ai suivi, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Comment pas, je vous ai suivi dans un WeTrip alors que je fume pas? Moi, franchement, je trouve que j'ai bien mangé à ce Mexicain. Je vais taper mon coup de gueule là. Écoutez, Paimo, il a collé. Oh, le Mexicain, il était dégueulasse. J'ai pris un chicken, j'ai eu du thon. Dans quel pays tu prends un chicken, t'as du thon, frère? Ah, c'est bon, frère, c'est aussi. On est bonne neuve. J'aime fumer les marijuana tous les jours. Je suis comme un Peaky Blinder sur la lame sous le béret. Dans la smart j'ai déjà rêvé, je revends la verte par intérêt. Tout comme mon petit saut qui est resté toujours au pain. Tonio dans un tamien énorme et trois. Et sur le terrain ça parle comme bénéf, vous multipliez les gains. Entraîné pour faire 10 heures pitch qu'à minuit. On va passer le B. Attends, il est bien passé. Il se... Ouais, bien passé. On a rechargé le matos. Ouais, frère. Ah ouais, frère. Frère. Le boss, t'as pris quoi, frérot? Frérot, j'ai pris du Bubble Hash. C'est de la banana OG. Mais sale. Je fume ça, frère. T'as quelque chose? Sur un mec. Oh là là. La PS, c'est Compton. Restez branchés. WeTrip épisode 5. Ça va. Pété. Il n'y a pas de 87 ici. Hein. Vous amenez nous là, Loa? On va tout tease. Qui c'est? On va voir Bernard. On va dire bonjour à Bernard. Allez. Et ça va? Et ça va? Et ça va péter. Hein. Ça va péter. Je suis à Amsterdam, on est bien, on est posé, on est entre frères. Ça fait plaisir. C'est là où tu as duré. Tu te régales toi? Ouais, je me régale. J'aime bien. Et vous les frères, ça se passe? Ça se passe, hein, pour le moment tout va bien. Oui, c'est. Le boss, carré pour toi? C'est... Les frères, contents? Ouais, nickel. C'est quoi, Tianette? Les frères, je disais rien du tout. Coupé, coupé. Et toi? Sale. Fini avec toi, rappelle-toi comment on était. Des frères soudés, on a laissé des traces que personne nettoie. L'autre il est mieux en été, moi je suis mieux quand il fait froid. 11 juillet 95, mon peuple souffre en même. Ça tire pour des généraux, pour des idées différentes. De un rien, j'y l'ai ras. La vie était sidérante, une vengeance considérable. Moi je sais pas, j'ai mis combien, mais il y a bon, je crois. Ça, il y a bon ou pas, vous pensez? Il y a bon. Là, je l'ai fait. Là, c'est. Ça. Là. En dessous, c'est un petit joint. Starfall, là, pour le terrain. Fou malade. Frérot, tu roules pas des joints normaux, vrai. Moi, je dis pour ça. C'est pour ça, moi, je colle, je dis au Starfall. Frérot, en fait, c'est quoi? C'est pas juste la taille, c'est pas juste la quantité, c'est le produit que c'est, tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la beurre 10 euros le gramme, moi, 15 euros le gramme. C'est de la wasabi, c'est du Tenko. C'est Tenko, Tenko. Ouais, bah, je ouais, c'est assez... En plus, dans la vidéo, je dis quoi? Ça, c'est pas un gros joint, juste un peu moins et ça fait un ouais, stick. Mais il est trop, il est trop. C'est vrai, ils disent t'as collé, mais moi, j'avoue, je me suis dit, comment je vais le refermer? Jim Grinder. Non. Le Grinder petit. Chapello. Wow, Death Boy. Death Boy. Mais en vrai, il se referme ça. Tu connais le A, les doigts d'argent. Il se referme ça. Je vais te motiver un peu. C'est quoi ça? Calimix. C'est ultra qualitatif. Allez, c'est bon. Emballage du flou. Star, frérot, ouais, je vais pas. J'ai le full jacket. Star, ça m'a brûlé au premier degré. Bindina. Bindina. Bindina, frérot, j'ai pris du pain. Au final, Kouti, frère, je lui ai demandé 3 variétés. Il a mis 3, il m'a dit il y a plus. 0. Ça, c'est une vraie finition de massage. Hein. Bah, moi, au début, je voulais prendre une Sativa. Là, c'est une vraie finition de massage. Je me dis, il va jouer. Il m'a dit, baguette. Je connais. C'est du café, hein. Je lui ai dit, si bon, il y a du maintien de manger, c'est de la douille, franchement. Oh, par contre, c'est allumé, hein. De
c'est quoi, c'est de la douille? On est de retour, on vient d'arriver à l'hôtel. Voilà, on est passé dans 2-3 coffees. On s'est un peu gazé dans un coffee. Et là, on va se poser, on va encore se gazer. On est avec les frères et voilà. Ça s'est régalé. Qu'est-ce que t'en penses de cette journée, Niel, déjà? Franchement, très productive, assez longue. Mmh. La route qui a pris toute la journée. Ouais, c'est vrai. Mais ça s'est foudroyé du début à la fin. La tête de moi, ça... comme disait le frère, à chaque fois qu'on vient à Amsterdam, on nique encore plus de trucs que la fois d'avant. C'est encore mieux à chaque fois. Et là, en vrai, c'est pas mal. Ça s'annonce pas mal. Là, on est bien. Ça va faire du bien de se poser. On a une petite vue en plus là-bas sur les buildings de Amsterdam. Non, vraiment, c'est cool. La petite vue sur le parc. Pas mal. Baba Banks. Damn. Ça les baise. Oh, dealer, ça les baise normal. Ça les encule, frère. On est là, on va se mettre bien. Oh, Niel, tu vas décider de rouler zéro joint. Frère, dans tous les weed trips, ils roulent pas de joint. Je consomme pas de cannabis en vrai. Comme Dig dans le weed trip d'avant. Ouais frère, mais comme lui aussi. Mais frère, zéro joint, moi je vais rien rouler. Lui c'est team zéro joint. J'en ai pas roulé un seul depuis... Ouais non, c'est peut-être un quand même. Rouler un en trois weed trip les frères. C'est la consommation, chacun est à son aise. Tu fais ce que tu veux frérot. Que je fume sur tes côtes et je me fais des dinos. La vie de ma mère, il sait, tiens check. Putain. Et là ça va s'envoyer de l'air beau, Niel. La vie de ma mère les amis, j'ai perdu la cagoule du FK. Là ça va être une gazerie frère. Hein? On va jamais pouvoir aérer, Taï. On s'en bat les couilles, pourquoi tu aérer? Ça mettre... va puer, frère. Faut mettre des serviettes et tout là-bas. Oh, je suis schnold, frère. Vas-y, viens te niquer à l'herborizer avec moi, non? Oh, attends, viens, je fais l'étoile de mer 2 secondes. Abuse pas, Polo. T'as pas envie de te gaz? Si, frère. T'es au sucre. Que elle est chère belle, cette pute. Ça va, cette pute? Tu veux voir la top? Ah ouais, bien compact. Sale. Oh damn. Vas-y, on va goûter ça dans l'herbe. Ça vous tente. Calé, ça va s'éteindre. Ouais, mais attends, mais viens, on se cale bien, frère. Mais frère, on est bien calé là. Tu... Non, frère, attends, viens, je me sers un petit verre d'eau. Vas-y, tu m'en sers un, tiens, là, il y a des gobelets. Vas-y, donne les gobelets. Comme ça, je prépare, Chab. Là, je nous graine notre bol. Donne les gobelets. Donne les gobelets, on t'a dit. Alors, qu'il y avait juste ça là. Salope. Ok, viens, tu veux un gobelet ou t'as un malin, tu t'es fait un tête de salope. Ouais, frère. Tu t'es fait un tête sale. Le frère, il faut qu'il soit méchant à tout prix, genre. À chaque fois, il faut qu'il soit méchant. T'es trop hardcore, Pedro. Redique, ça. Ouais, bah, c'est de l'eau chaude, j'ai l'impression. Au début, j'ai senti la patate quand je l'ai pris. Tu sais, un verre d'eau fraîche, tu le sens, l'eau. Mais là, j'ai senti que c'était chaud quand je l'ai pris dans ma main. Pour ma défense, comme l'a dit Bosco précédemment, les robinets, ils étaient faits bizarrement. Pas comme à la maison, t'inquiète. Ça fait. Ça a testé, ça a servi 3 verres. Bah, ils étaient chauds, hein, tant pis, hein. Faut une chance sur 2. Regardez-vous, les frères. Il m'a servi un tel. Je me suis bouillanté, hein. Des frères, ils veulent me donner la mort, ils voulaient me ralentir dans le trip. T'as un peu de temps, j'en ai mis partout, frère. Mais j'ai pas, y'a un fils de pute, j'ai mis au max du chaud. Tu sais, Pélo. Je vérifie avant aussi. Mon frère, il m'a servi un thé. Il m'a donné. T'as mis ton shot. Ouais. Il m'a donné. Ah, le frère, la vie de ma mère, il m'a donné le verre dans les mains. Il était chaud, le verre. T'es super fou comme petit. Ouais, je suis sous. Ouais. T'es sous cookie. Ah, t'es même. Je colle. Ah, je suis sous produit, t'as peur, tu colles. Je suis sous THC. Genre, t'es pas sous THV. Non. La vie de ma mère, j'allais dire ça. Tiens, gars, ouais.
C'est un petit verre d'eau chaude alors. Ah, t'as combien de PO avec ça? Ouais, et toi? Oh, le nuage que je viens de te faire. Ah, t'as pas capté, vous avez pas eu l'arrêt. La portée de quoi? As. Non. Vas-y, prenez une frappe, vous allez voir, prendre des petites poupes, vous faites des vous faites les up de la fume. Ramène-le là, frère. Okay. Non, je le ramène pas là, Kanye. Tu le ramènes Non, frérot, non, la vie de ma mère, non, il va tomber, il va se péter, non. Lol. Canette, viens te poser non, là. Frère, vas-y. Ah, frérot, c'est un bon. Vas-y, viens là. La vie de ma mère, chapeau. Je suis reparti pour un tour. Il est trop bouillant. Ça se voit qu'il est au bout du zénène. Qu'est-ce que t'as, Pélo? Tu veux, je te fais un petit truc perso que j'aime bien. Vas-y. Ça? Vas-y. Vas-y, tu l'as bien là. Tu l'as bien. Attends, frère. On l'a fini pas? Attends, frère. Parce qu'après, je vais faire un truc bien. Tu vas te dire, ah ouais, t'es un zbouk bien. On est sorti quoi? On est parti fumer une club? Ouais, avec le boss, qui avait moi, le boss, Yadis. On reprenait un peu de force. Les paquets d'M&M, ça ciboule déjà. En plus, ils étaient même pas bons. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on est resté 10 minutes, pas plus. Mais en vrai, ils sont éteints. T'as vu toutes les barres que tu tires, frère? Ah, c'est comme une dinole. Vas-y, j'ai pas envie de te laisser la fin dégueulasse. Je vais en faire avec pour Canette et tu prends la suite. En vrai, tu peux me tuer. Chabelle, elle est bien toastée. Ça va, mais elle, on aurait pu la toaster large plus encore. Elle, là. Celle-là, elle est pas assez toastée. Elle est grave encore utile. Elle, encore, ça va. Mais elle, ouais. Elle est encore bien. Comparée à l'autre, ouais, mais pour moi, ça, non, ce serait assez. Là, non, t'es fou, là, frérot. Si tu peux là, tu la refumes, tu vas avoir cher le goût du décarboxylé. Là, tu peux la pousser plus que ça, frérot, largement. Largement, frérot, je te promets, largement. Chaque Kennedy, je vais te faire un petit. T'es à la Max. Une petite préparation du chef, tu vas m'en dire des nouvelles, le sang. C'est spécial, bonne. Alors regarde bien comment ça fait, vous allez péter vos. T'as du shit? Non. Non. C'est Bosco, il a du shit. Sarge, je vous mets du shit là-dedans aussi, tu pètes ta tête. Tu veux essayer avec du shit dedans? Bah tu ouais, shit, j'aimerais tu bien. Tu brûles et tout, tu pètes ta tête, frérot. Ça. Du shit? Non. Mais je prends du shit à Bosco. Mais elle est pas là. Il va arriver un moment, je pense, un jour. Oui. Ils font quoi les frères? Ils sont encore pas acheté des trucs. Je sais pas ce qu'ils font. Et nous on est allé visiter en haut l'hôtel. On a fini chez des gens. Voilà. À boire un verre de vin. On arrive sur une terrasse, il y a des gens et ils sont en train de boire un verre de vin. Ok. Pépère. Comme à la maison. Plus. Ah, j'arrive plus à l'ouvrir. Je pète ma tête. Franjo, je suis stone. Ouvre-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre-toi, wesh. Ouais, je vais le casser, je vais le briser, il y a ma sauce dedans, il y a le caviar, il y a le cristal, il y a le THC meth. Ma mère, on dit je l'arrache au pied de biche, je suis obligé de l'ouvrir au pied de biche. Voler, on lui rajoute un peu de sauce, histoire de rendre ça plus agréable au cerveau. Ça c'est vraiment pour certains. Là il veut coucher des gens. C'est de la défonce purée dure. En plus, on a rien à gamelle là. Ah ouais, non, on est mal. Non, frère. Tu sais, quand il y a des trucs à gamelle, t'as vu, tu peux éponger un peu. Tu peux te ressourcer. Ouais. Tu peux repartir. Là, ça m'a tabassé, ça va pas. Ah ouais, ça par contre, c'est vrai. Non, il reste beaucoup. Ça va t'envoyer au cul. J'en ai mangé une. Ce bâtard, il m'a niqué toutes mes pommes. Chap, tu la vois là, tu la vois bien. Ouais. Vas-y, mets dans ta. Niel, regarde là bien, ou filme là même. J'ai pas filmé. Franchement, ça va. Éteint. Donc là, je me rappelle même pas comment on a coupé. Vous voyez bien, la vidéo, elle se coupe d'un coup parce qu'on savait plus comment faire. Où on était, je pense que la caméra, elle s'est coupée elle-même. Plus de batterie. On est allé se coucher, je me souviens pas. Il y a les autres frères après qui nous ont rejoints. Et du coup, voilà, on partait sur la vraie première journée à Amsterdam. C'est maintenant, c'est tout de suite. Je vous laisse découvrir le réveil. La vraie journée 1. Et ça va péter. Oh les frères, hier on est tombé dans les pommes.
Ça veut dire on n'a pas filmé, on vous a pas dit bonne nuit, mais on s'est envoyé un dernier joint et tout le monde allait se coucher. Là on vient de se réveiller tranquillement. Tout le monde se réveille petit à petit, on est déjà en train d'en cramer un. Canette, canette, ouais, ça crame quoi? Ouais. Ça crame quoi? L'amnésia. Ouais, la vie de ma mère, ici elle sent bon en plus. Finito, finito. Et là, ça s'envoie un herborizer de wasabi. Vas-y, hein, Chabé, je vais le faire devant vous. Pas dans ça. La rue, la vraie, que de la fumée, ya. C'est ça. Bon les bigs, je vais changer les batteries, changer les cartes SIM, on va se préparer doucement et on se reprend après la mif. Prenez soin de vous, à tout de suite. Ciao! Ah, je suis dans le froid et j'ai mes loots. Mon tamia dans la main droite, je fume en perse. Allez, tiens, fais-toi en un. Casse pas les couilles, ça se voit pas que je suis à jeun, que j'ai les nerfs. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va, tu vas bien être. Ah, les lunettes de soleil. Tu sais que tous les frères ils m'ont dit: ah, frérot, j'ai pas pris mes lunettes. Ah, moi je suis là, obligé, je les prends. Que tu sais, t'es tout le temps éteint. Premier jour à Meda, vraiment. Bon réveil, on a passé une bonne nuit, on s'est bien reposé. Ça s'était éteint hier. C'était suréteint. Ça avait perdu connaissance. Non, frère. Petit réveil, pareil, gazage, sous herbo toujours, parce que tu connais la vaporisation. Que ça donne de l'énergie. Donc là, on était bien, on était contents. Petite journée à Bedard, on savait qu'on allait se promener et puis se gazer, hein, comme d'hab. Chez Rhino Shield, y a un petit code ou pas? Rhino Shield, tac, tac. Je pourrais pas trop te faire gratter, frérot. Tranquille, frérot, c'est pas grave. La Catherine, après, on est ensemble. Voilà, c'est pas mal. Frère, c'est pas mal du tout. Hein. Et surtout, frère, en fait, ce qui me choque, c'est que ça consomme vraiment pas beaucoup de bœufs, quoi. Ouais. Ou de. C'est plus cher, quoi. Tout à fait. Quoique, l'herbeau, il reste 100 boules, c'est quoi. Ouais, après, t'as capté. Faut enlever le bigger, attends, après. Faut attends, je vais en prendre une, attends, frère, je vais en prendre une. Allez, mon bigger, mets-toi. C'est vrai que l'herborisation, c'est pas pareil. Non, c'est pas du tout pareil. C'est complètement pareil. Ah, non. Mais tu sais, quand tu me le montrais en photo, je le voyais en plus grand, frère. Hein. Parce que tu peux le mettre sur un truc plus grand, tu peux le mettre même dans une pomme là si tu veux. Papa Bang. M-I-C-R-O-N. Ça va péter. Je vous explique le topo. Le frère, il me dit quoi? Il me dit: ouais, tiens, prends mon briquet, il a plus de gaz, machin, je te le donne. En vrai, il avait pétard. Il avait pétard un autre briquet. C'est pour ça qu'il me le donnait. Ici. C'était le tien, le briquet, qu'il avait pété. Putain, les moustiques. Par exemple, les moustiques, la vie de ma mère, ça devrait. Pourquoi ça existe? Pourquoi ouais, c'est pas bon, j'avoue, pour... c'est vraiment. Les frères, il y a des gens, ils se sont dit, on va exterminer tel ou tel peuple, mais il y a personne qui s'est dit, les moustiques, venez, on les bute tous. Non, personne s'est dit. Si, les libellules, elles se disent ça. Ils se sont dit, mais pas les humains. On apprend à vivre avec. Mais... vivre ensemble, les frères, vivre ensemble, mais sans le moustique, ça serait mieux. Ouais, ça, il fait super beau, les refs dehors. Ça va où, Niel? Ça va braquer et tout. Oh là là! Où ça va? Mais lui des frappes, le team! Ah, le frère, on a inventé l'appart, ils prennent des photos. Dans le couloir. Devant la pire en le plus moche. Il y a même pas la profondeur, tu te dis, vas-y. Ouais, ouais, on part. Allez, out. Allez. De vue. Aimo, ça la prend la cam ou pas? Non, frérot. Non, ça fait un bout. Ah ouais, frère. Logique, non? Fais un plus gros plan encore, on sait jamais. Tâche sans escalier. On a vu de mal. Et il saute. Ça saute en parachute, t'as vite de 10, tu sautes pas là, tu en parachute. Ça l'a réglé. Ah, des escaliers tard, Poudlard. Ah, que ça nique les photos de Dex. Oui, que ça fait des photos dans le couloir, ils doivent crever. C'est normal. Désolé, et pourquoi ils ont pas mis les flèches, tu sais, au moins s'ils montent ou pas, tu sais si t'attends pour ça. Attends, l'ascenseur il est à l'étage numéro 1 et là-bas il est à l'étage numéro 7. Les frères, je suis timide, on n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'il me sent pas bien. Il sait. S.O. J'écoute plus ces criminels, c'est S.O. J'écoute plus ou j'entends plus? J'écoute plus. J'entends plus. Arrête. Bien. C'est S, j'écoute.
Il va lui dire ce qu'il a écrit, le dit. Ouais, l'équipe. Mais c'est même pas ce qu'il a écrit. Ouais, ça, ça casse sa mère. Ça va, il y a un petit soleil, c'est assez agréable. Ouais. Ouais, ça va, mais le vent, il est sanglant, le vent. Le vent, c'est bien fort. Je suis collé à pas de mer, puis j'avais en son chemin avec le vent et le vent dans la tête. Regarde, une pluie de yeb, j'en vois plus mes mains. Bang bang bang. Binger, je vais fumer ma première clope de la journée. Oh, ça va être super cool et super sympa. Donc qu'est-ce que je vais te demander? Du feu. Du feu? Est-ce que j'ai du feu? Ouais, je crois que j'ai du feu. Communément, comme on dit dans le jargon de la fumette. Oui, je pense que je peux avoir ça, je pense. Tu fais quoi, frère? Vas-y, Louis. Ah, frère, j'ai pris un Uber, Mais bon. L'équipe de fumeurs autant que ça, frérot, ça lui a dit non, il n'y a pas de feu. Ça, mais frère, c'est ça les frères. C'est ça les frères. Tu leur demandes leur bigot, ça te dit quoi? Ah, ça a plus de batterie. Ou y a pas de crédit. Ah, j'ai pas internet. Il est cassé. Machin. Toujours un problème, style. Tu connais. Même du. Un briquet, les frérots. Même un briquet, là, il y a un pélo, il vient de nous demander un briquet. J'ai plus de gaz. Là, il vient de nous demander un briquet. Ça lui a dit non, alors qu'il y en a 4 qui fument, là. Il y en a 4, ils ont la terre allumée. Sarah, c'est joli là où on est. Hein. Ouais, c'est mignon. C'est kawaii. C'est kawaii, ouais. Je pense que c'est As. Je pense que c'est As. Oh là là. Hello. Hi guys. Attends. Sush. Oh, God damn on shit. Wow. Oh là là. Hello. Pousse-toi de devant. Non mais je me sens pas déjà. Oh, ça va l'enfumer non? Tu verses en craquant. C'est Mandina là. Qu'est-ce que tu me fais mon big gars? On est là, ça crée du contenu. Putain, j'en ai marre de créer du contenu. Faut créer du contenu les gars, c'est très important. J'ai vu ma mère sans créer pas de contenu égale. Tu sais que j'arrive pas à être réussite. Pas de réussite. J'arrive pas avec moi. Les meufs sur Insta, mais créatrice de contenu, elles ont des only fans. Ouais, Instagram, ouais, ça c'est. Bah frère, en soi, elle crée du contenu, t'as gâté. Crée du contenu, respecte la vie de ma mère en vrai, c'est vrai. Faut se respecter entre créateurs de contenu. Ah, ça fait un peu ça pue le foot. Ah, ça sent la foudre dans ce van. Ouais, un peu, hein. Attends, c'est qui, il a pris sa foudre? C'est pas moi. Moi j'ai pris. Bah ouais frère, moi je mets des chaussettes. La vie de ma mère, ne surveillez pas le ciel, ça vient des putains d'égouts. Des égouts du 8ème, des égouts du Grand Lyon. De PS. Ça vient des traitements d'eau de pierre bénite. Petit message de remerciement, ça fait plaisir. Et en vrai de vrai, Chabé, en achetant des t-shirts, ouais, vous financez les 8 trips. La vie de ma mère, l'argent des t-shirts, il part pour financer les 8 trips, pour partir en 8 trips, pour tout ça. Donc en vrai de vrai, crée du contenu. Voilà. Thank you. Thank you. Les frères. Il y a un restaurant là dans ce bat, je sais pas si vous voyez. Avec le bout blanc là. Et ben au bout, tout en haut, il y a une balançoire en gros qui se jette dans le vide. Je sais pas si vous arriverez à voir là. Bah là les frérots. Petite balançoire. Sur la balançoire? Sur la balançoire, hein. Moi je l'ai jamais fait, j'ai le vertige. Tu le fais, frère, ça va vraiment le faire là. Bah moi j'ai le vertige. Ah, y'a des zèbres. Là je suis avec un zizi là. Là pas parler, c'est les mecs de l'Est, on a pas peur de la mer, on croit en Dieu. Ça coûte 7 000 de le faire? 16 balles je crois. 16 balles pour balancer. Après c'est une expérience. Ah frérot, tu vois tout d'Adam. Ouais, par contre. Après tu peux monter en haut, c'est 10 balles. Et si tu viens un ascenseur fils de pute avec des lumières et tout. Si tu veux. Juste le vent qu'il y a là. Tu peux pas essayer de faire la balançoire, mais tu peux monter en haut. Ouais. Tu sais, donc on va monter tous et ceux qui veulent faire la balançoire, ils font la balançoire. C'est... Sale. Sous gaz. Et ah, non, il y a rien en mange avant ou pas? Non, non. Quoi? Parce que. Plus
08, tu connais l'adresse, c'est la suite, je prends pas les restes, j'ai pas les restes, mais elle suit, tu connais la mèche à la Clarky. Pas de star coach, t'as que sur le parking. J'écoute la prod, j'en fume un solo qui me reparalyse dans la smart, je faisais pas le chip, j'ai cartonné ivre et le taf, j'ai pas la vago, faut que je m'organise, jamais tard, mais tu sais le soir le bégo est vibre. Dans le bar, je trie les numéros, je mets en priorité ce qui ont les dineros. Tu es pas sur la route, demain t'es livré. Sur l'ardoise, y'a mon blaze et 2000 euros. Hein, j'écris du texte, de disquette, la mise en politesse, tu n'as les policiers pour le. On était les deux seuls qui voulaient faire la balançoire. Ouais. T'as pas pu? Même pas, il y avait 3 heures de queue. 3 heures de queue, on devait aller voir les frères belges après directement au coffee. Ça veut dire qu'il a fallu faire un choix. Les amis, on est en direct du coffee shop. J'ai pris d'amis, on a rejoint 2-3 frérots. Vas-y, mais c'est voulu, hein. Voilà, on va s'éteindre. Ça a pas perdu de temps, ça a pas perdu de temps. T'as entendu? C'est Sabu, il a créé son crush et il a fait du live resin avec. Finishes! Après, c'est bon ça. Chabla, il vire, ça sort une Ginava PC, y'a personne. Non, non. Je pète ma tête. Je suis sûr qu'il n'y a pas de gluten dedans. Dans la Ginava? Non, dans les Edibles. Sinon, tu fais quoi? Ils sont vegan. En vrai, quand j'en mange, j'en ai fait pendant longtemps avec lui là. Pendant 2 ans, on en a fait. Je suis intolérant, je peux plus. Dès que j'en mange, je fais un bad trip. J'en ai direct ou quoi? Direct. Et j'ai fait un coma au volant d'une voiture avec un Edible. Mais les frères Balna, depuis hier, ils s'éteignent avec mon clip. Ah ouais. Ouais. Bah j'en ai pas eu le moment, tu vois, ils en ont pris un peu au début cette année et tout, et donc du coup c'est bien pour le moment. Trop la tête dedans. Ouais, on est trop loin de mon bosque. Ouais, ça fond comme la vapeur, ça découle de la fumée, frère. Mais quoi, la Dina? Ouais, bah la vapeur en général. Le goût. Plus de combustion du tout, quoi. Franchement, si, bah regarde. Si, ça arrive, mais c'est. Mais tu fumes que du pur, toi. Ouais, par contre, je suis tout d'abord. Le visage, hein, le bosque à la fin. Ouais, ça s'éteint. Ça s'éteint. Bon, on va rouler. Dans le pays du légal, hein, dans le pays du légal. Thank you, j'aime. Ah, ça sent vraiment bon, je fais pas sentir mes potes parce qu'en fait c'est des bâtards. Du coup Lyon à Amsterdam les gars, 8h30, 8h50. Et on le fait beaucoup, hein. On le fait beaucoup, hein. Je l'ai fait souvent dans ma vie. Non, de Lyon. Ah, de Lyon, vous êtes de Lyon. Ouais. Vous êtes des malades en fait. Ouais, j'aime trop votre accent. Je filme pas les visages, les frérots, vous inquiétez pas. Oui, la mif. On vient de sortir du coffee shop. On s'est bien été avec les frérots de Belgique. On va bientôt rejoindre By Sky. Là, il vient d'arriver sur Amsterdam. Ils sont allés le récupérer. Nous, on se balade un peu dans les rues. Et voilà, on a goûté pas mal de bugs qui venaient de Belgique. J'ai goûté une canadienne qui était vraiment pas mal aussi. Enfin, pas mal de bons petits trucs. Donc voilà. On continue de se promener et je reprends la caméra ce soir quand on sera avec By Sky et tout ça. Prenez soin de vous, les bigs. Une chose à dire, et j'espère que vous l'oubliez pas, c'est que ça va péter. Oui, c'est, bah ça fait quoi alors là? Alors là, mon ref, on est en direct du Viano avec la star montante du rap lyonnais. Qui est là. Après, on va rejoindre Biski. On va se faire une session de défonce. Là, on vient de finir une session, on s'est promené un peu dans Amsterdam. Mais voilà, tranquille. Ça vous plaît? Non. Donc, ça vous plaît à vous, mes auditeurs? C'est des salopes, eux. Ça va ressortir à vous, les frérots. Ouais, la mif. On vient d'arriver à l'hôtel. Avec tous les frérots qui se sont posés un peu. Tout le monde s'est un peu posé histoire d'eux. On va attendre By Sky et tous les Belges. Ils sont allés dans le centre, on a voulu se poser un peu. Et après on les rejoindra dans leur chalet. On va s'envoyer un peu d'herborizer. Canette, tu viens? À chaque fois que je vais pour me gazer, j'appelle toujours Canette. Je suis le copilote du frère des frérots. J'ai beau montrer, j'aime pas trop. Tel grossi, j'ai bien quand. Tel que pour vous, c'est que par le ça me termine, j'ai bien quand. Tel que ma base, j'ai bien quand. C'est le seul qui veut affronter les démons ou qui veut pousser l'expérience plus loin. Y'a aucune limite. Le frérot dit jamais non. Non. J'ai pas tué. C'est quoi ça? C'est bon ça? C'est quoi ça? C'est cher bon? C'est de la AMG. C'est de la AMG ça? AMG. Vas-y goûte frère, elle est incroyable. Comme on voit dans la vidéo, ça fait deux fois
que je te dis, oh, ça sent bon, c'est quoi? Amnesia. Et là, je viens de te dire, c'est bon, c'est quoi? AMG. Choqué, je m'attendais pas à ce que ça soit l'AMG qui sent ça. Oh. Il y avait que des traditionnels de la Hollande. C'est pour vous dire, les frères, vous êtes pas obligés de fumer que des Cali pour avoir des bons terps, parce que là, l'AMG, franchement, elle était bonne. C'est vrai. Mais je l'aurais jamais prise. C'est vrai. Bah, fallait tester en vrai. Fallait tester. Jamais j'aurais pris ça. Pas déçu. Elle était meilleure que la Wasabi, c'est bon. Mais même, je sais pas si tu te souviens, un des Weed Trip on avait fait, on avait pris de la White Widow. Ouais. Tu t'en souviens? Ouais. Et on avait dit aussi un truc similaire. Elle était chère, bonne. Parce qu'en fait, c'était pas très cher, tu vois. Parce qu'il faut savoir prendre ce qui se fait de mieux dans le pays. Tu veux manger indien, tu mangeras mieux indien en Inde. C'est sûr, bah frère, les Cali, elles sont meilleures en Californie, Zabi. Arrêtez de fumer des californiennes. C'est comment l'herborizer du coup? Ça, c'est très 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 bien. Il y a beaucoup beaucoup de terps. Et que dire de plus sur cette scène? Bah... ça s'est éteint quoi, c'est tout. Juste ça s'éteint. Là c'est là les frères, là c'est après. La voilà. Après là, j'étais là pour ça, tu vois. Là c'est la compétition. Là il y a que les professionnels qui regardent à partir de ce moment-là. Là c'est la compétition, c'est l'intensif. C'est que de l'extinction. C'est de l'extinction, c'est le niveau de Champions League. On goûte avec toi? Allez, hein. Il branche la pipe à crack. Yes. Ah, merci. Mais attends, je vais en savoir en faire une. T'es un zob. Que le 25% meilleur en schrijven. Maar hoe gaan we dat even doen? Non, moi je suis chaud pour m'éteindre aussi. Attends, il refait, Frère, tu l'as pas fini. Elle commence à décarbo. Mais tu sais, ça a le goût de la bouse d'écart, frère. Mais les frères, mais fermez vos shots. Oh, frère. Après, frère. Viens, frérot. C'est chaud quand même de poser et tout quand même. Ah, c'est chaud frérot, c'est chaud, c'est une prestation. Mais déjà qu'il a fait un one shot. Après la 2, c'est vraiment chaud. Ouais, ouais. Ah, j'ai trop envie de re-smoke sur cette merde. Ça a changé. Ami, non, il vient de nous arriver un truc de fils de pute. À votre avis, qui c'est qui a fait ça? Dis-moi un mot, Dex, un mot, hein? J'aurais jamais cru que ça viendrait d'un rêve comme toi. C'est bon frérot, vas-y. Bah ok, chaud. Ah, c'est comment il m'a pété mon herborizer? Voilà les amis. Ah, tu le mènes, tu vas payer, hein. Ah, tu me dis ramène-le dans un weed trip, il me pète mon herborizer. Tu vas payer, hein. Mais moi je suis au bout, c'est même pas fait exprès, c'est juste tombé sur moi. En fait, c'est tombé sur moi. Après, c'est arrivé vraiment par pur hasard en vrai, je te mens pas frérot. C'est pas moi qui ai fait tomber. C'est tombé sur le sol, hein. Moi je crois que c'est un peu plus tombé sur le sol quand même. En fait, elle a un petit problème, cette petite herborisation. Il est où le verre? Il est où le verre? Putain, bordel de merde, Zabi. Mais en vrai, de vrai, Chab, en vrai, ça va? On peut toujours le mettre un peu, là, pour le moment, pour faire... Parce qu'en fait, encore, ça serait à Lyon, je m'en fous un peu. Je recommande une pièce, mais là, je voulais faire goûter aux frères de Belgique. Je voulais faire essayer. Ah merde, ah ouais, ah merde. Mais du coup, il marche encore un peu, ça va pas tenir longtemps, parce que le verre, il va s'effriter, il va s'émietter. Mais il marche encore un peu, donc je pourrais au moins leur faire essayer, je pense. Bon, on verra. Là, nous, il y a tout le monde qui est un peu parti manger. Nous, on s'est préparé, on s'est levé. On va rejoindre les Belges. Là, ils sont encore en centre-ville. On va les rejoindre dans leur chalet. Et voilà, on va aller se gazer. Et voilà, vous savez déjà de toute façon, hein, comment ça se passe. Voilà.
Qu'est-ce que tu penses de ce weed trip en deux mots? C'est fort en énergie, c'est plein de rebondissements. Il nous arrive quelque chose, il y a tout le temps une galère. Si c'est pas une galère, c'est la fume. L'artiste en question. Dex Z8. Qu'as-tu pensé de ce weed trip en deux mots? Mais Bosco, tu prends la caméra, t'es en train de tout t'enculer. C'est léger, Guy. Tu me poses des questions. Frérot, c'est de l'entertainment. Alors le boss, je suis pas encore trop t'en dire, mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est que l'aventure continue. Et il y aura une surprise à la fin. Voilà. Une exclue de Aimo. Attends, je crois qu'il y a l'alarme de ça. Et non, ça fait coller. Non, j'ai plané. Tu me l'as cher mille doutes. Au pire, au montage, je mets une fausse alarme. Ouais, vas-y. J'ai trouvé 25 moules là, normalement. J'ai trouvé là, normalement, 25. Tu vas les perdre parce que tu vas racheter un herbo à un frère, Charles. Hein? Mais qu'est-ce que tu me racontes? De quoi parles-tu? Pourquoi tu mets des amandes comme ça? Oh, les frérots, on est avec Lil Pump. On est par là-bas. Hein. Ouais, on voilà. Mais il y a du carton partout, frérot. Il y a des câbles carton. Du carton de partout. Arrête de faire pas du carton, frérot. Frérot, tiens. T'es là, chabelle, il y a du carton de partout. Pas mal. Dès que ça s'envoie. Tiens, du carton, frérot. Michel, il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça ou pas? Frère, il y en a autant que tu veux. Vas-y, parce que je vais faire un gros tas. Vous l'avez entendu. Et quand c'est moi qui dis ça, faut faire attention les frères. Un gros tas. Et très très attention. T'en veux encore? Non, 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 ça va. Il le nourrit de feuilles les frères. Non, peut-être pas 15h30. Déjà 21h. Ouais, 20h ça. Mais 20h c'est impossible frérot. 20h ça voudrait dire qu'on part à 10h genre. Il est en train de réaliser. Il m'a un frère, ce serait à 3h du matin chez toi. Minimum. Le bon vieux A en plein tassage. Tu vas voir. Je sais que je suis plus de son avis, c'est vrai que t'as raison. Putain, la tête de moi, je suis un vieux dev. Ça tue, c'est vraiment un baki. Ah ouais, en mieux. C'est moins chimique. Les amis. En vrai? Ah, mais vous voulez le torche maintenant, là, direct? Là, ça torche, là. Usseb, bah, envoie un verre. Et ça tu vois qui au final? Oh fuck. Voilà. Back in my voilà. Wesh la mi fuck. On a l'impression que je suis tombé de 6 étages. Allez là, rentrez là. Wesh la mi fello. Là on va rejoindre les frères dans leur chalet. Oui. Voilà, donc là on rejoint les Belges. Et vas-y, on va se gazer, on va se faire une session fume, on va s'éteindre à la fume. Toujours dans l'égal, toujours dans l'égal, on est à Amsterdam. Il y a que des vieux riches bizarres, ils nous voient nous. J'ai pris le herborizer pour faire goûter aux frères et voilà. Il y a tout le monde qui parle sur nous, frérot. En mode. En mode. Ils se disent quoi tout à l'heure? Some people in France are so crazy. So crazy. Nique ta mère. Frère, on est normal. Tout à l'heure, frère. Parce que j'ai créé. Tout le monde a son petit truc, y'a pas de. Taï. On est des gorilles. Parce que tout à l'heure, quand vous étiez en retard. J'ai pas compris c'était quoi le 6-9. Ouais, mais frère, j'ai. Oh, je crois ils ont pas compris. Ah, c'est quoi le 6-9? C'est comment? Ah, vas-y, on a dit on part. On leur fera là, ça. Ah, ça va te la faire, on a dit quoi? Ouais, les frères, on a dit là, je peux te dire. Force à Lyon, force à tous mes Lyonnais. Et vas-y, on se voit après, il fait trop froid, ça merde. Ah, le frérot il est rentré dans l'espace, il était pas content, il l'a cru, c'était où le Liano? Si je vois 400 boules, frérot, je fonce dans la barrière, ah, hein, on va bas les couilles. Ah, ça, on sait pas combien on va prendre de parking là, mais je pense que ça va être un coup à 26 boules. Ah, y'a moyen. 27, je pense. 58. On est resté 2 jours en gros. 0. Ah non! 73. Mais non! Là, on va payer 13,50. Ouais, là, on va payer 13,50. Inch'Allah. Ah, si on paye 13,50, c'est la rivelle du siècle. Oh, cul de la barrière. Ouais, t'as avalé ta carte. Aïe, la mec quoi? 13,50? Non, 13,50. Oh, allez, ça. Oh, magnifique. Magnifique. J'ai même pas gamelle, Zébi. Ouais, ça même pas gamelle.
Bon allez, on se reprend plus tard la mission. Ça fait une demi-heure, on a fait un bouchon, on est au milieu de la route. On est en train de chaper le GPS, c'est pas à Lyon. Ouais, ça peut, c'est demi-tour. Ouais, demi-tour. Ouais, il klaxonne pas. À Lyon, tu fais ça, tu te fais insulter ta tante, j'ai un bouchon. Ouais, ils sont 50 000 derrière. À Lyon, tu fais ça, tu te fais sortir comme dans GTA. Qui voit l'âge? Eh oui, monsieur. Ça y est, voilà, en direct de Amsterdam. On a été invité au chalet du frérot. Il y a tous les frérots là-bas, là. On va pas trop vous spoil, on va pas trop vous spoil. Qu'est-ce que ça raconte depuis le temps? Là on est là, là on est sous le chill. Ouais, sous le chill carrément. On va tester le herborizer. Bah ouais, mais au moins on se voit. Absolument. Exact. De 8 trip 3, 8 trip 5. C'est pas fini les gars, c'est pas fini, c'est le début, c'est que le début. On va lui faire tester le herborizer. Jamais essayé. Je pense que c'est de la frappe. Ouais, franchement, tu me l'as vendu, c'est de la franchement, tous ceux-là, tous ceux qui étaient là, ils ont tous été d'accord. Pourtant, c'est que des mecs de la combi. C'est de la frappe. Ça, je le vends même pas, je suis confiant. Juste test. À ce point-là. Ouais, franchement. Ouais. Ah, frérot, je te jure que c'est vraiment incroyable. Et c'est inventé par un Français, les refs. C'est un Français qui fait ça, vraiment. Il fait ça pièce par pièce. Il n'y en a pas énormément. Pour moi, c'est plus intéressant, je pense. C'est, en vrai, c'était, il y a les Flowerpods. Mais en vrai, je l'ai acheté que parce que c'était un Français, lui. Je te jure, je me dis, c'est un Français, on le soutient, tu vois. Peut-être que je vais l'acheter, hein. Bah, qui sait? Qui sait? Qui sait, franchement. Qui m'a converti au Mighty maintenant, qui sait, ouais. Frérot, je te jure que c'est incroyable. Je te jure que j'ai hâte que tu goûtes, j'attends qu'il chauffe, qu'on se fasse bien mal au front. Tu l'as mis sur combien? Je l'ai mis sur 6,5 là. 6,5, 220. Direct, on s'envoie, direct. Faut que ça parte direct. T'as été pour te convaincre, je peux pas te dire, regarde les têtes. Non, non, non. Faut que ça. C'est. Faut que. Bon, qu'est-ce qu'on va se mettre dedans par contre, mon biscuit? Alors là, on le tipote. Qu'est-ce que tu as? La disquette. Il n'est pas de Lyon. T'as vu les frères de Lyon qui viennent d'entendre ça? Croyez pas, je suis une salope. C'est pas méchant. C'est pas une pute. Chez eux, ça veut pas dire comme chez nous. Chez nous, t'as vu mon petit pote, c'est une insulte. Genre vraiment, je te jure. Un mec, il dit mon petit pote. Je te jure. Même mon pote, un mec à Lyon. Gros, tu viens à Lyon. Si un jour vous êtes à Lyon, dis jamais mon pote à un mec. Il va t'éteindre la lumière. Mais moi je suis habitué, moi je suis un mec, je bouge beaucoup. Je sais qu'ailleurs, même en France, les gens ils disent mon pote et tout, donc du coup je suis habitué maintenant. Bah oui, chachet, mais t'as vu à Lyon, un mec tu lui dis mon pote, il a dit ah, oh, je suis pas ton pote, mon pote. Ah, oh, je suis pas ton pote, mon pote. C'est un problème, c'est un cancer, cette ville. Bon, on a transformé des trucs. T'imagines que mon pote c'est affectueux, on l'a transformé. Un rat il m'a dit quoi un jour? Je préfère tu m'insultes ma mère, tu me dis mon pote. Mais en vrai je le comprends. Non mais ouais, du coup ouais, ça c'est les problèmes de la langue lyonnaise. Frérot. Non, oui mais on va aussi au Terps, non? Ouais mais juste on va au Family First, frérot. Mais tu sais que quand on vient, même quand on fait, quand on vient, déjà. Family First, tu connais. Tu connais. Mais ce genre de choses, ce genre, dans des trucs de choses. Frérot, moi si je t'enclenche avec un mon pote, c'est qu'on est pas pote, c'est que ça va partir en couille. T'as vu, si un jour je t'envoie, elles sont où les photos, mon pote? C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est une menace. C'est une menace, frérot, c'est une totale menace. Déjà, quand je dis mon pote a un pélo, et je l'attaque en vrai. Frérot, si tu me dis mon pote, je l'attaque. C'est pas ce qui est amical. Non. Ouais, ça c'est pas solide, ça c'est 50 mg, mais frère, c'est... si c'est des vrais 50 mg, c'est bien. Parce que t'as des gamins, ils vont te mettre 6000 mg. Ça parle que ouais, c'est pas ça, non, 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 des grosses douilles. Ah ouais, c'est pas trop chaud, ça a deux trucs claques. Là-bas, ça parle des 10 mg. Il a peur. C'est comme si tu vas avoir tiré. Non, 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 c'est des gamins. Ah ouais, on va te tu touches pas, Jean-Claude? Non, ça y est, tous plus. Ça, c'était à l'époque. À l'époque, ça toussait. Mais non, normal, il y a pas de pression toujours. Je te jure. Parce que moi, je suis que ça. C'est très gentil. Hein. Je le vends bien. Et tu peux mettre là, on peut acheter du H dessus. Et tu vois le, tu vois le H qui brûle les deux bâtards. Moi, ça va, c'est tu vois là, on a sur la. Mais quand tu la blindes un peu plus, gros, je me fais des sessions devant un film, 1h30, frérot.
partir une barre là, une barre là, une barre là. Mais ça, c'est pas du match. Et moi, ouais. Pas fait H rap pour ce week trip. Bah ouais, mais on en fait pas tous les week trip. On a pas le budget pour. En c'est vrai, cool. On a totalement. Ouais, budget, on peut carrément le faire sans ça. En vrai, c'est cherche pas. Une excuse, Niel, parce qu'il a pas. Le problème, c'est pas le budget. Il a réfléchi, il a dit on a pas le budget. Ça le problème, c'est pas le budget. Le problème, c'est Dig. Le problème, c'est qu'on a pas Dig. Moi, je fais quoi, Dig? Bah, si lui, il fait les H-Rap, c'est qui va faire H-Rap? Viens, mais je fais tout, c'était. Chaud. Ah, chat, mais ça fait de la bonne vapeur. Ouais, c'est une chicha. Que le... Ouais, c'est vraiment une chicha. C'est une chicha, c'est une chicha. Là, je vais m'acheter un tube. Un on va faire les deux. Les deux. Je suis dans un bon mood, tu vois ce que je veux dire. Lui, il a une sorte de. Ah, t'as vu, t'as vu. J'ai perdu les dos. Lui, il est en train de sortir. Ah, ça a touché, touché, touché. Ouais. Non, mais ça va, c'est léger. La pire action débouillantage que j'ai vue, c'est lui là-bas. Je lui allume une dynavape. Donc, tu vois, tu chauffes le cap devant. Je lui tends comme ça. Il tire sur le cap. Non, la frappe là, il tire sur le cap. La tête de ma mère. Oh, Yanis. Vrai ou pas? Il tire sur la Dinava, puis il tire à l'envers. Je lui donne, je lui dis attends, tu vas te brûler, tu vas te brûler. Il chauffe le côté, il retourne. Mais il me chame. Le pire, les frères, il me regarde pendant que je la chauffe. Il me regarde la chauffer, il met le côté que j'ai chauffé dans sa bouche. Mais frérot. Bah ouais. Jamais ton cerveau, il est SDF, tu fais ça. De ouf, ton cerveau, il vit pas dans ta tête, c'est pas vrai, frérot. Ton cerveau, il vit dans ton placard, dans ta chambre, mais pas dans ta tête, frérot. Il a pas de rapport, il est pas là. Non, il est pas là, frérot. Tu te dis pas le bleu, il y a un crâne sale, il y a une tempête. Je ne sens pas de malaise. Pour ça, et après, en fait, t'as le bouton sur le côté, et si après ça chauffe et ça va tomber dedans. C'est à quoi c'est juste un truc sur le côté. C'est incroyable. Ouais, si tu pousses déjà maintenant, ça va chauffer et ça va pas aller, tu vois. Même les gars, regardez, j'ai commencé à envoyer. Je me suis tapé sur le petit bouton de ce niveau-là, là. Hop, tu prends ton voisin et après. Même, d'abord, tu prends ton voisin, puis tu appuies sur le bouton pour qu'il coupe. Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est chaud. Ah, du coup, non. C'est quoi? Mais c'est bien, ça, c'est bien. C'est bien, ça. Ouais. Ça fait. Il chauffe. Oh, il est nickel, Nico. Hein. Ouais. Je suis un mix. C'est Akai Gelato dans le drawer d'un peu passé, puis gros. Et je frosti Gelato. Oh la dingue! Oh la dingue! Là, c'est quoi ce truc de Barjo, Pélo? Ça fait. Non, frérot, c'est ça lâche le dingue de bah ouais, ça chauffe et ça fait tomber. Ouais, mais non, ça. Mais frérot, c'est pas ça chauffe et tu vois tout. Moi, je m'attendais à voir tomber petit à petit. Mais ouais, ça fait. C'est le high, les gars. Ah bah, tu vois, au moment, je me dis, t'auras pas de prendre le droit d'auteur pour la musique. Ouais. Il n'y a pas de musique. C'est frérot, je pensais à ça. Je me ah, c'est tout à coup, c'est silencieux aussi. C'est un poste ou c'est un truc de chauffage? J'ai encore rien, j'ai pas encore pu regarder. Un peu moins. C'est une. Ah. Il tient plus l'herbo. Tout à l'heure, il fume des bouts de verre. Oh, mon herbo, je l'ai acheté il y a 2 semaines, il m'a déjà coûté 2 fois son prix initial. Le pelo, il pète sa tête, je lui ai déjà fait commander des pets. Je lui ai dit, recommande-en, je vais le péter, je le sais et tout, la tête de moi. Faut te faire ce que je en fait. Les frères, ouais. Non, mais là, la spanabis, je vais aller voir Dinavap. On va parler. On va parler, ouais, ça. On va parler, frérot, je crois que j'en ai vendu 150 ans. Mais non, une augmentation, ils se sont dit, mais. C'est qui ce pelo? T'as vu, frérot, il me. Frérot, juste te fais un business plan. Juste te fais un document de 40 pages, je te le donne et tu me dis ce que t'en penses. Tu me dis si on est en a ou pas. Avec le frérot digestif, il faut le voir pas, il est là-bas aussi. Oh là, il y a du monde derrière, il y a du beau monde derrière. On fait juste des petits up par ici. Qu'est-ce qu'il dit, frérot? Ça va ou pas? Putain! Qui c'est? Présente-toi. Oh la belle prise, ça va ou quoi les refs? Un plaisir d'être avec vous. Les connexions se font enfin. Je peux même pas dire la Belgique dans la maison parce qu'on est même pas dans la maison. Ni chez vous ni chez nous. On est en terrain neutre. Ouais, c'est ça, on est en terrain neutre. Les grands monsieur ils se rencontrent en terrain neutre de toute façon. Non c'est bien. Enfin les connexions se font. C'est bien. Faut faire bouger. Quel genre de terre? Qu'est-ce qu'il a fait? Herborizer. Herborizer à balle. C'est quoi là tout ça? C'est ce jeune individu qui a roulé. Et du ice, mais vous allez me tuer avec du dry de GV. C'est les vraies connexions. Non, mais moi en plus, je suis trop la combustion, moi. Ouais, mais c'est bien. Pour les bons produits. En vrai, pour les bons produits, allez, bah, envoyez-moi de l'eau, j'ai une pâteuse et on va scouter ça. C'est
En bol. 69 c'est Bruxelles. BX c'est le 6-9 les gars. Ça va ou quoi? Je suis 9000. J'étais pendant un an en Sud Amérique et. Ah, viens, pose-toi, goûte un peu de donuts ici. C'est AK Gelato, Frosted Gelato et H Rosine de Swiss Gaz. Ah oui, Swiss Gaz. Moi je me réveille au dab. Avant la salle, 6h du mat, dab. C'est parti, frérot. C'est dangereux, c'est dangereux. On va se reprendre plus tard, les frérots. Là, on va discuter entre gens sérieux. Le mec le moins sérieux. Et active la cloche. Wesh, by Sky. Oui. Qu'est-ce qui roule le by Sky? Là, je roule à peu près. Je roule à peu près. Ça va melt. Salé alors. C'est. Un peu, ouais, faut des conditions. Là, c'était bien parce qu'il faisait froid et tout. Donc, je sais pas, ça allait bien. Mais... Ça va, emballe ça. Ouais, ça rentre dans le vent. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que nous, après ça, on avait plein de trucs à faire. Eux, ils étaient chez eux. Donc, je leur disais tranquille. Mais après, fallait montrer, fallait représenter la France, la Sofran. T'en mets jamais une au milieu, là. Ça dépend moi, comme tu veux, en fait. Tu mets quelque chose qui est assez lourd dedans. Ah, mais après, t'as des règles qui tirent un peu plus lourd. Et après, tu veux un truc plus léger, quoi, tu vois. Vas-y, ta sœur. Bon biscuit. Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel? Je voulais m'en débarrasser, ça, là. On va récupérer un peu. Bon. Ouais, ça va, c'est de la frappe, hein. C'est de la bombe, on va décaler manger parce que j'ai pas mangé depuis midi et demi. On est passé voir le frérot, il est très tard là. Il commence à être tard, il commence à être 2h je pense. Enfin, allez, une heure et demie je pense. Non, une heure et demie pile. T'as vu, frérot. La vagance du temps là, ouais. On est dedans. Là, il faut manger obligé. Là, faut les manger, ça veut dire on se dit à la prochaine. Ou à deux. Bah, demain en vrai, c'est un coup. On verra. C'est un coup. La Belgique, à plaisir, les refs derrière, on peut pas. On les voit pas. Mais à plaisir, la Belgique, en tout cas, à chaque fois, à plaisir, les Belges, toujours la classe. Toujours, franchement, incroyable. La Belgique, la grande classe. Toujours. Sale! Mon bic. Toi aussi. Là, on coupe. Là, on passe en off. Là, maintenant, à partir de maintenant, là, on rentre à l'hôtel. Là, on va rentrer se coucher à l'hôtel. On va dormir tranquille pour faire la route tranquille. Là, vas-y, allez, off. Cut. Je vais pas t'apprendre la vie, c'est des anecdotes personnelles. Je suis débrouillard, c'est pas la rue qui m'a pris sous son aile. Je suis défoncé, j'aime trop bosser. J'ai rentré dormir, voilà, tranquillement à l'hôtel. Tout s'est bien passé. Fallait se reposer un peu. Les frérots! Bon, on vient de se réveiller, je leur fais pas du tout perdre du temps. Ça fait pas une heure qu'ils m'attendent, c'est pas vrai, ne les écoutez pas, les amis. Voilà, on vient de se réveiller. Hier, on était KO, on s'est éteints tous. Ça fait, on n'a pas filmé à l'appart. Mais par contre, on s'est éteint avec les Belges, nos frérots. Merci pour tout, merci pour entre guillemets la caille, parce qu'ils nous ont quand même un peu accueillis. C'est plus chez eux que chez nous ici. Nous, on peut plus les accueillir à Barcelone. Eux, ils peuvent plus nous accueillir ici. C'était un plaisir, les frérots. Merci à vous. Merci à tous. Ceux qui ont suivi la vidéo, ceux qui nous suivent tous les jours. Là, on est en direct d'Amsterdam. On va prendre la route pour rentrer à Lyon, donc c'est la vidéo qui touche à sa fin. Avant ça, quand même, on va passer au Terps Army. On va les récupérer un peu, quand même, histoire de... Et puis on se quittera sur ça et on vous mettra les images du retour et d'arrivée, voilà. Prenez soin de vous la famille, j'espère que vous avez apprécié ce 8 trip épisode 5. C'est pas totalement fini, on se dit à tout de suite. Elle barre dans la ville, on buvait toute la nuit. À quelques gîtes à sa vie, elle peut te couler ton avis.
tu te consoles la crème vide. Elle barre dans la ville, en buvait toute la nuit. À quelques gîtes à sa vie, elle peut te couler ton navire. Elle se colle des boulots, on est un temps, elle peut te boulotte. Elle t'envoie des rats pour briller, toi tu te consoles sous bouillon. Mais ça va péter là. Vie de ma mère, les amis, je viens de tomber dans un magot. Je suis tombé sur une bière. Je vous jure, ça c'est le truc le plus fou de ma vie, je crois que j'ai vu. Franchement. Ouais, j'ai vu des choses, mais j'ai voulu rentrer dans le magasin en trombe. Je suis rentré comme ça. Et le frère, tu sais pas pourquoi il a voulu faire une acrobatie. Il arrive, il fait un saut, il met un coup dans le truc en plastique. Alors ça se plante dans des bières. C'est... Et là, la bière, elle explose. Et là, ça se magiclait partout. Ouais, ça se magiclait dans tout le magasin de la bière. Ces magnettes qui tombent. Un monde parallèle. Je suis rentré dans un magasin. Je suis ressorti, j'étais couvert de bière. Là, je suis plein de bière, j'ai trop... T'as coupé la caméra, je suis comme un... Au moment où j'ai coupé. Ça aurait été super drôle. T'as pris quoi, là? Un petit peu de Forbidden Fruit, hein, calme. Forbidden Fruit, ouais. Et toi, Bosco? Je connais. Rotten Fruit. Rotten Fruit en H. Là, derrière, on a un frère, il a pris du H. Tu connais, c'est Lyon, hein. Lyon, ça aime trop ça. Qu'est-ce qu'ils disent, des biggers? Non, franchement, ils ont de la bonne fleur aussi. Les biggers. Les biggers, ils voulaient mettre du fraîche camélone, je sais pas quoi, frère. Bon. Vas-y frérot, tu connais? Ouais, je connais. On est plutôt shit. Bien dry. Bien dry. Bien curé, t'as vu, bien il transpire. La bonne vieille résine. Quand tu l'allumes, il sent pire que la bien pelu. Sec, pétant. Et du coup, moi j'ai pris de la gélosie. Et franchement, je l'ai mis dans ma duna, j'ai goûté direct là. C'est ce que je viens de goûter en vidéo. Ouais, on dirait de l'extract. Je te jure, on dirait de la sauce, ça a un goût, c'est trop bon. C'est trop bon. Je te mens pas. Oh, t'as pris de la lemon cherry gelato. Ouais, un peu de gelato. Ok, c'est pas mal, il sait. Allez les frères, bah non, on va remonter dans la vago et on a la route à faire. On se pète. Le N, oui. Le D, la mec. Ah, cadette! Je vous dis les frérots, la gâche du fond, c'est la meilleure gâche. J'avais un lit. Sale. On se sépare de l'élément moteur du groupe. Celui qui nous a donné tant de joie par sa présence musical et sa prestance défonçao. Le big. Ah, il a d'autres choses à faire, le frère. Il a des trucs à faire, hein. Ça a pas le temps de dormir. T'as cru on était tailleur ou quoi? T'as cru c'est toi tu payais les courses, hein, pin ta mère? Wesh, petit ref, tu fais quoi dans le coffre? T'es là, tranquille, je disais rien. Je vivais ma best life non, derrière. Bien, mais attends. Je tiens à dire que avant de partir à Paul Sentier au tout début, je leur ai dit quoi? Les frères, c'est mieux, il y en a deux qui se mettent derrière et deux qui se mettent au milieu. Et ils m'ont dit quoi? Non, on se met trois, c'est mieux, derrière c'est serré. Moi, je suis sûr qu'on aurait mieux fait de mettre les bagages au milieu et de mettre deux mecs derrière. T'as grave raison. On aurait dû faire ça. Mais au final, on l'a jamais fait. Non. Bande de gorées. Merci. Bande de gorées. T'as capté. Carré. Ça fait 8 heures de route dans le coffre, frère. J'ai la meilleure place du voyage. La meilleure place du voyage. Ils sont tous jaloux de moi, les frérots. Ouais. Sacoche, cerveau, fume, bouteille d'eau. Le cerveau, ça l'a laissé à lui. Mais bon, c'était ça, là. Non. Jouer, de toute façon. Big boss, pour la sale boulot, le big A, voilà. Ça. C'est pas monsieur, il sait. Il est condé, ça va être pas mal. Allez, on s'arrache. Y'a les condés, il a dit. Ouais, y'a les Handek. Y'a les Handek qui arrivent. Allez, on bouge. Allez, y'a les Handek. La bise des frères. Allez, y'a les Handek. Bon showcase, frérot. Zéro. Bon showcase. C'est écrit, j'ai de l'internet et tout. Bah, allez, c'est bon. T'as de la jauge. Vas-y, frérot, y'a les Handek qui arrivent. Y'a les condés. Le Pelo nous a dit quoi, le mec qui travaille là? Il nous a dit y'a les condés. La vie de Chab, il veut pas partir. Il a fait quoi? Il a crié. Vas-y, bouge, c'est bon, frérot, bouge. C'est bon, t'es parti. Ils sont partis, les condés. Bon voyage, finissez bien.
Sexy. C'est toi de Bon Voyage, le frère, par Francfort, The Beat. 87 avenue Paul Santi. Voilà. 19h. Tu viens. On arrive à quelle heure? 19h, c'est sous quand? Mmh. Apple Santi. À 19h. C'est un follow. Ça va. Bon, comme on a posé le frère à Francfort, on l'a remis avec nous dans la voiture. On l'a mis au milieu, vous inquiétez pas, on l'a bien attaché. Il est présent parmi nous. Tu veux fumer, frérot? Fais fumer un frère, une barre. Voilà. Voilà, donc les frérots, ils sont toujours avec nous. Et nous, il nous reste une heure de route. On se reprend bientôt la bise, ça va péter, oubliez pas. On est en direct. On vient d'arriver, on est à la PS, on est au 87. On est maximum. Et voilà, c'était un bon week trip. J'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié ce week trip. Vous avez apprécié cet épisode 5. Merci à tous ceux qui ont participé à cet épisode. De près ou de loin. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un commentaire. La prochaine destination que vous voulez, on aille. Celle qui aura le plus de commentaires, on ira. Prenez soin de vous, la famille. Les frères, c'est la fin du week trip. C'était l'épisode 5 avec toute l'équipe. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre et nous avoir suivis dans les stories, dans tout ça. Que dire de ce week trip? Gaz. Incroyable. Sale, sale. On va où pour le prochain, frérot? Faites gratter, non? On remercie tous ceux qui ont participé. Mettez-nous dans les commentaires pour le prochain. La destination qui aura le plus dans les commentaires, on ira. Parole du A. On va où vous nous dites. Faites péter la vidéo. C'est du jamais vu, c'est exclusif. Ça vient du 6-9, ça vient de chez nous. Ça va péter!